Salut à tous, dans cette vidéo on teste non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien toute une série d'optiques. Il y a 5 focales fixes, un 14, un 25, un 35, un 50 et un 85 mm. Il s'agit de la toute nouvelle série Athena de chez Nizzy. Alors je suis vraiment très content de faire ce test, tout simplement parce que ça fait quand même un petit moment que je m'intéresse de plus en plus aux optiques ciné. Et je prévoyais, alors peut-être pas tout de suite, mais pourquoi pas bientôt de m'acheter une ou deux optiques ciné. Et cette série là, très honnêtement, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. Alors est-ce que c'est du marketing, j'en sais rien, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir voir si c'est vrai ou non. Bref, cette série là elle était sur ma liste prévisionnelle d'achat, donc c'est cool, ça va me permettre de voir si oui ou non il faut que je garde cette série sur ma liste. Et je te le dis d'avance, c'est plutôt pas mal. Juste avant que ce test commence, il faut savoir que je ne suis pas du tout obligé de dire du bien sur ces optiques. Nizzy me les a uniquement envoyées en me laissant le champ libre artistiquement parlant, donc j'en ai profité pour faire quelques tournages. Et ça tombe bien, les vidéos qu'on a tournées avec sont déjà en ligne, donc n'hésite pas à aller voir ça dans la description. On va commencer par ce qui je pense est le plus flagrant avec ces optiques lorsque on les prend en main, c'est la qualité de fabrication. Franchement, c'est hyper bien fini, il n'y a aucun jeu dans les bagues, tout est fluide. Les optiques, elles sont entièrement en métal, je pense que c'est un alliage de magnésium, mais à vérifier. Il n'y a vraiment pas une pièce de plastique qui n'inspire pas vraiment confiance, même les capuchons sont en aluminium et puis à l'intérieur on est sur une espèce de tissu pour protéger les optiques, donc ça c'est vraiment cool. Et même les capuchons arrière, on va avoir un joint pour éviter que je pense que ça se desserre. Donc non, franchement, d'extérieur, on est vraiment sur quelque chose de super clean avec de belles lentilles, de belles optiques ciné. Ce qui est super intéressant, c'est que toutes les optiques font exactement le même poids, la même taille. Et comme tu peux le voir, les bagues crantées sont exactement au même niveau sur toute la série. Ça, ça va te permettre d'éviter de changer de config lorsque tu utilises un Ronin, par exemple, avec les Focus Motor. C'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, j'ai beaucoup tourné au Ronin avec. Et effectivement, je change d'optique. Il n'y a pas besoin de faire de rééquilibrage de la nacelle. Et même chose pour les Focus Motor, à chaque fois, c'est exactement au même niveau. Donc ça, c'est parfait. Ça paraît con, un détail, mais crois-moi que quand tu as des grosses configs, c'est vraiment beaucoup de temps qui est gagné. Les optiques, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais elles restent quand même relativement compactes et légères, environ 800 grammes. Si je te mets ça à côté d'un petit 85 mm, bah comme tu peux le voir, c'est pas forcément plus grand, c'est même plus petit dans la majorité des cas. À l'avant, on va être sur toute la série sur des diamètres de filtre en 77 mm, sauf pour le 14 mm où on n'est pas censé pouvoir mettre de filtre. Normalement, on met plutôt des matbox sur ce genre de grand angle, mais il faut savoir que si tu bricoles un petit peu, enfin si tu bricoles, tu as quand même la possibilité de mettre un filtre ND, voilà, ça se visse. Après, je pense que tu vas quand même avoir pas mal de vignettage, c'est à tester, mais en tout cas, ça passe. La bague de mise au point, elle est vraiment très fluide, il n'y a pas de résistance particulière, donc tu pourras très bien faire ta mise au point à la main si besoin, si tu es dans le rush. Contrairement à la bague d'ouverture, où là, effectivement, on a une résistance qui est quand même beaucoup plus importante, donc ça va pas tourner comme ça par erreur. Les bagues de mise au point, on va être sur une course de 300 degrés, donc ça c'est vraiment parfait, c'est bien long. Et en termes de distance minimale de mise au point sur le 14 mm, on va être sur du 25 cm. Sur le 25 et 35 mm, on est sur du 30 cm. Sur le 50, on est sur du 50 cm. Et enfin, le 85 mm, on est sur du 80 cm. Les bagues de mise au point sont graduées à la fois d'un côté en métrique et de l'autre en pied. Ça va permettre à un maximum de personnes de pouvoir travailler avec. Et comme tu peux voir, la peinture des Athena, c'est une espèce de jaune-vert un peu fluo. Et bien tout simplement parce qu'on est sur du fluo. Comme tu peux voir, si je passe des UV devant, on est sur quelque chose de complètement réfléchissant. Alors je ne sais pas si ça garde effectivement l'énergie, les UV, comme sur une montre où tu vois quand tu mets des UV, et bah, ça garde le fluo. Là, j'ai pas l'impression que ça garde le fluo, mais il faut savoir que si tu passes une lumière devant, et bah voilà, tu vois, on a directement toutes les graduations qui sont en surbrillance. Donc ça, c'est quand même un gros point positif. C'est très intelligent d'y avoir pensé. Pour l'ouverture, on est sur du T1.9 sur l'ensemble de la série, sauf pour le 14 mm, où là, on va être sur du T2.4. Donc ça reste quand même excellent, avec 10 lamelles de diaph. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fameux T, le T-stop que l'on retrouve généralement sur les optiques ciné, eh bien en fait, à l'inverse du F-stop que l'on retrouve sur la plupart des optiques sur le marché, eh bien en fait, le T-stop prend en compte l'indice de la transmission de la lumière à travers l'optique, ce qui va permettre en fait d'avoir exactement le même rendu sur toutes les optiques d'une série et même toutes les optiques sur le marché qui sont en T-stop. Ça va permettre en fait d'avoir exactement le même rendu entre toutes les optiques. Par exemple, je me mets à T4 sur toute la série, et bien j'aurai exactement le même rendu sur toutes les optiques à chaque focale, alors que sur des optiques photo, donc en F-stop,
il est possible que j'ai des différences. Moi, la série que j'ai testée est en monture PL, tu vois, c'est cette grosse monture qui est juste là. Et si je prends des optiques ciné plus tard, ça sera très probablement en monture PL. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'une des montures les plus répandues dans le cinéma. En fait, c'est une monture qui est universelle, donc que je prenne une Arri Alexa, que je prenne une Red ou une FX3, je pourrais mettre ces optiques sur mon boîtier. Contrairement à si je prenais cette série en monture E, parce que oui, c'est possible, il y a beaucoup de choix, où là, je serais beaucoup plus limité, tout simplement parce que les optiques Sony E ont un recul au niveau de la lentille arrière qui est très très faible, ce qui fait que c'est pas compatible avec des bagues et d'autres boîtiers. Donc comment ça marche ? Eh bien, je viens tout simplement me munir de ce genre de bague. Alors ici, celle-ci, c'est celle de chez Nizi, et c'est une bague PLE, donc c'est une grosse bague comme ça. Et on en a un peu chez toutes les marques. Ici, c'est celle de chez Nizi, mais on a également chez Tilta, chez Metabone ou encore des Zedo. On est parti maintenant sur le Mac. On va voir ce que j'ai pu faire, à savoir que tout a été filmé avec la FX3 en S-Log 3. Pour commencer, j'aimerais que tu regardes chacun des plans pour voir un peu les angles de champ qu'apportent chacune des focales. Donc comme tu peux voir, on est sur quelque chose de très polyvalent. Moi, j'ai adoré à la fois le 14, le 35 et le 50 mm. Le 14, je trouve que c'est vraiment une super belle optique puisqu'elle a très peu de défauts. Et bah franchement, pour pas mal d'utilisation, c'est vraiment incroyable. Pour du POV, du skate et tout ça, ça porte vraiment des possibilités de ouf. L'avantage, c'est qu'il est très lumineux et il y a très très peu de distorsion. On peut le voir par exemple ici, tu vois, au niveau de la table, elle paraît bah, vraiment très très droite. Alors après, je suis pas très bien bullé, mais enfin bref, tu vois que on est vraiment sur une ligne droite. Et si je prends mon 16 mm Sigma Contemporary, eh bien on peut voir que on a beaucoup plus de distorsion. Tu le vois juste là. Là pour le coup, on a une vraie courbe et ça se voit vraiment beaucoup. Et je t'affiche même les grilles pour que tu puisses te rendre compte. Alors là, on peut voir que la table elle est pas très droite, mais ça fait pas un arc de cercle. Donc c'est comme si on avait zéro distorsion. Et je peux te montrer même sur cette scène-là un autre exemple. On peut voir que bah, ici on est au 14 mm et tu peux voir au niveau du fond, tu vois, qui est juste là. Et bah franchement, la distorsion, je la ressens vraiment pas. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est voilà, notamment les POV avec le 14 mm. Ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. Et je pense que si tu achètes une des optiques de la série Athena, et bah le 14 mm doit en faire partie. Même si j'ai pas l'habitude de tourner au grand angle, j'ai adoré l'utiliser. Ce qui est aussi très intéressant, c'est quand on compare le 25 mm Athena avec un Sigma 24 mm Art à ouverture égale. Donc j'étais à T2.8 et F2.8 sur le Sigma. Déjà, on remarque que le Athena est beaucoup plus lumineux et surtout, le rendu n'est pas le même. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment tout de suite remarqué avec les optiques ciné et puis tu le verras sur les plans. On est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus doux et toutes les personnes qui étaient derrière le moniteur à qui j'ai montré un peu les optiques, à qui j'ai montré les rendus et tout ça m'ont dit exactement la même chose, toutes. Il n'y a vraiment aucun débat là-dessus. Le rendu est beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel. Ça fait vraiment très professionnel, franchement. Je sais pas vraiment comment expliquer avec les termes, mais ça se voit à l'image que ça a rien à voir, quoi. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus contrasté avec une optique photo. On a plus de détails, c'est beaucoup plus sharp. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup en photo, mais en vidéo, franchement, hein, et même pour du skate et tout ça, où on aime quand même avoir beaucoup de détails, ça dépend des utilisations, eh bien, j'ai préféré tourner avec les Athena plutôt qu'avec un Sigma Art. Et notamment au niveau du bokeh, je sais pas, il y a quelque chose de très particulier, c'est vraiment très doux. On a quand même beaucoup de détails, hein. C'est pas comme si on avait mis un filtre mist vraiment à balle. Là vraiment on garde beaucoup de détails, mais c'est doux, c'est, je sais pas, c'est vraiment beau. Et tu vois, même sur le jean et tout ça, hein, tu vois, on a beaucoup de détails au niveau du skate et tout ça. Comme je te l'ai dit, c'est pas comme si tu mettais un filtre un quart par dessus où là on est sur quelque chose avec beaucoup moins de contraste et tout ça. Là non, on garde vraiment ce contraste qui est très particulier, mais avec une douceur qui se rapproche vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir dans la vraie vie. Maintenant, je te montre également quelques exemples que j'ai pu tourner au 85 mm. Le bokeh est vraiment très intéressant. Alors, faut faire attention, par contre, parce que comme on est sur des optiques qui ouvrent quand même à T1.9, c'est vraiment très très grand. Bon, il faut pas hésiter à fermer jusqu'à F5.6. Franchement, le bokeh, il est tout aussi intéressant. Faut quand même aussi qu'on parle de la qualité optique et des défauts que je pourrais leur trouver, même si franchement, c'est compliqué. J'ai préféré m'attarder sur vraiment les images que l'on peut faire avec parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Mais sinon, en termes de focus bracing, je te montre, c'est quasi inexistant. C'est bien précisé sur le site que bah, c'est forcément optimisé comme on a des courses qui sont très longues et un bokeh qui est très très important. Bah, c'est sûr que le focus bracing, s'il y en a, ça se remarque tout de suite. En termes d'aberration chromatique, franchement, c'est excellent. En sachant qu'en vidéo, franchement,
on s'en fout beaucoup plus des aberrations qu'en photo où là vraiment on veut la chose la plus clean possible. Après ça dépend si on veut donner des effets, mais j'ai quand même fait des tests. Alors là je suis ouvert à 1.9 et c'est quand même excellent. Là je suis sur ma mire, je suis au 35 mm, donc je te montre vite fait la vidéo de base, c'est comme ça. Et maintenant je te montre croppé directement sur la mire, on peut voir qu'on a quand même des petites bandes rouges sur les côtés, tu vois, on a un petit peu d'aberration au niveau des damiers et puis au niveau des petits shutters qui est juste là. Mais franchement c'est excellent, ça fait partie des meilleures optiques que j'ai pu tester. Après en termes de piqué, bah, ça reste quand même excellent. Alors franchement c'est beaucoup moins bien qu'une optique photo où là vraiment on cherche la résolution maximum. Là comme je te l'ai dit, forcément on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Mais encore une fois, là on est à 1.9, je sais même pas si j'étais parfait au niveau de la mise au point. Et franchement, encore une fois, je te montre la vidéo de base, tu vois, c'est comme ça. C'est vraiment pas mal, tu vois, là je suis vraiment croppé là-dessus. On a vraiment beaucoup beaucoup de détails. Donc voilà, franchement une série qui est très intéressante avec très peu de défauts. Donc c'est pour ça que encore une fois pour le prix, 1300 € l'optique, et bah c'est très très bien positionné. Donc voilà, bah écoute, je pense que tu auras compris mon avis. Franchement j'en suis très satisfait. Je vais tester bientôt normalement leur filtre, parce que Nizi, il faut pas oublier que à la base ils font des filtres, des accessoires et tout ça, des matbox. Donc bien sûr je te mets tous les liens en description. Sur ce, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je te mets bien sûr tous les liens en description. N'hésite pas à liker cette vidéo et à me suivre sur Instagram, à partager aussi cette vidéo, ça me soutient vraiment beaucoup. Et puis bah sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut !